more you rejoice in your Lord, the more you become very younger. Uko unezererwa Imana ni kuhinduka mujene. Yes. Iyo ni yo banga y'ubujene. That is the secret of youth. Ce n'est pas question d'âge. Ntabwo ari ikibazo cy'imyaka. Il y a des vieux à 25 ans. Hari abasaza bafite imyaka 25. Il y a des jeunes à 80 ans. Hari n'abajene bafite 80. Last time I told you, if you don't want wrinkles to come quickly, smile for the Lord. But if you they passed away. La vie est très courte. Ubuzima ni bugufi cyane. Faut pas aller vous tracasser. Ntabwo mukwiye kujya kwimena umutwe. Gandhi qu'est-ce qu'il a dit? Gandhi se yavuze ngo iki? La vie n'est pas un problème à résoudre. Yavuze ngo ubuzima ntabwo ari ihurizo ryo gusubiza. C'est un mystère à vivre. Ahubwo n'ubwira ubwo kubamo. Ce qui te tracasse là, tu es en train de résoudre la vie. Non. Ibigutera ikibazo uyu munsi ni nkaho uri gushaka gukemura ihurizo ry'ubuzima. Même Einstein ne pouvait pas résoudre la vie. Na Einstein byaramunaniye gukemura iryo hurizo. La vie c'est un mystère à vivre. Ubuzima ni ubwira ubwo kubamo. Ibindi ukabirekera uwiteka. Leave others to the Lord. Yosha ukora ibyo uwiteka kandi utari uwiteka. You want to do things that belongs to God. Uri kiremwa kora ibyo kiremwa. You are a creature, do what creature. Rurema umurekere dossiers. And let the creator do. Ari dossiers zawe. They are what you aina dossier za rurema and what belongs to God. Imana ihabwe icyubahiro. Glory be to God. Tuzibera muri Zaburi ya 23. We will be in Psalm 23. Mumfashe yo Zaburi rwose tuyisome. Let's read that psalm. Uyirebe kuri ako gatama ka Yesu kari muri ubwo bwatsi. See yourself as a lamb. Kaguwe neza. As a lamb. Ntacyo kishisha ntacyo katinya. Kishimye mu buntu bw'Imana. That is not afraid. That is joyful. Nete mukundu wasome natwe dusubiramo. Psalm 23. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Usiza amavuta mu mutwe. Usiza amavuta mu mutwe. Igikombe cyanjye kirasesekara. Igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri. Nukuri. Kugirirwa neza n'imbabazi. Kugirirwa neza n'imbabazi. Bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Bizanyomaho iminsi yose nkiriho. Nanjye. Nanjye. Nzaba mu nzu y'Uwiteka. Nzaba mu nzu y'Uwiteka. Iteka ryose. Iteka ryose. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Iyo ni herezo ryacu. That is our end. Kuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Live in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. So psaume cadre avec ce que je vais partager en peu de temps. Zaburi ihwanye n'ibyo ngiye gusangira namwe mu mwanya muto. Parce que ça fait plusieurs jours. Kuko tumaze iminsi hashize iminsi mike. Où on a développé le thème de comment travailler ma destinée. Ceux qui ont été avec nous dans les trois jours de jeûne et prière comprennent aujourd'hui la différence entre destin et destinée. Ça veut dire au ciel, il y a un destin préétabli. Tu n'es pas né par accident. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu es venu, quelles que soient les circonstances, Dieu a voulu que tu viennes et Dieu a planifié ton destin. Nous avons vu un homme qui s'appelait Jabez. Il n'est pas né dans des circonstances paisibles.
Parce que sa mère l'avait enfanté dans la douleur. C'est ce que nous lisons dans 1 Chronique 4, 9, 10. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Elle lui a donné le nom de Jabez. Qui veut dire souffrance. Mais nous avons vu Jabez changer sa destinée par la puissance de Dieu. Et sa destinée a été conforme au plan de Dieu qu'il avait pour sa vie. La première chose qu'un homme doit connaître, c'est qu'il y a un plan pour ta vie. Vous voyez le tabernacle que Moïse a construit dans le désert. Le tabernacle. Où est-ce qu'il a trouvé le plan? Est-ce qu'il a construit tout sa limite? Non. Dieu, quand il était avec lui sur la montagne, il lui a dit, regarde Moïse, regarde très bien ce que je vais te montrer. Parce que ce que tu vas voir, tu le reproduiras tel que. Ça veut dire le tabernacle terrestre n'a été que la réplique de ce qu'il avait vu dans l'esprit. Et ta vie aussi, elle devrait être une réplique exacte de ce que Dieu a au ciel pour toi. Qui a compris là? Donc il y a un original. Il y a un original de ton destin. Et c'est à toi de travailler avec Dieu pour que ta destinée soit conforme à ton destin. Donc c'est un peu l'image du tabernacle. Hein? Nielewe vizuri. Maskani Musa mejenga. Hakuyatoa kichwani. Hakuyatoa katika mawazo yake. Mungu amemwambia kwenye mlima. Tazama vizuri mtumishi wangu Musa. Itegereze mkozi wanje Musa. Yale utakayoona. Ibyo ubonye. Utayajenga sawa sawa na ile umeona. Uzabyuke nkuko wabibonye. Na Musa katika roho aliona maskani ya Mungu mbinguni. Na Mose mu mwuka yari abonye uturo bwera mwizuru. Na akawaita watumishi Mungu amempa. Ahamagara bakozi b'Imana Imana yamuhaye gukorana nabo. Watu ambaye Mungu alimechia ndani karama za roho. Abana Imana yarerabaye imano z'umwuka. Wa Eliabu na wenginepo. Ba Eliabu na bandi na bandi. Bakina Beseler. Ba Betsayel. Akawapa plan. Abaheza ishusho. Ambayo ameitoa katika ulimwengu wa roho. Yakuye mwisi umwuka. Na wakajenga kama gisi Musa ameyaona mbinguni. Buba kankuko Mose yabibonye mwijuru. Na unapona maskani duniani. Ibonye rero buturo bwera hano kwisi. Ni vile vile mbinguni yaliopo. Ninguko mwijuru bumeze. Na natakwambia leo. Leo nashakubwira uyu munsi. Wewe una thamani ya hatari. Wewe ufite gaciro gakomeye cyane. Una thamani mbele za Mungu. Ufite gaciro mbele y'Imana. Kwa sababu wewe. Kuko wewe. Wewe ni maskani ya Mungu aliye hai. Urichi Imana maskani tuyo tabernacle. Urubuturo bw'Imana hano kwisi. Wewe ni maskani ya Mungu. Lazima ujengeke ukuye kubakika kama vile alivyo mbinguni. Huko Imana yatifushe mwizuru. Inua mkono wako mbariki Bwana. Zamuri kiganza chao humugisha Imana. Unanielewa ndugu? Muranyumva bene data? Sikia. Munyumve. Haya si maneno ya teolojia tu. Aya naogara magambo ya teolojia. Haya ni habari za ufunuo. Izi ni nkuru ziyere kuzishirirwa. Haya ni ufunuo. Ili ni hisurirwa. Si mambo tumesoma hapa na hapa. Ili nabwa ibintu twasomye hariya na hariya. Mungu anafunua katika roho. Imana yarabishishwe. Mungu anasema hivi. Imani inavuga ngo. Enye mtumishi wangu Musa. Ngo mkozi wanje Musa. Tazama yale nakuonesha mbinguni. Itegereze ibyo nkweretse mwijuru. Na utayajenga sawa sawa. Ubyubake neza. Na yale umeyaona. Nuko wabibonye. Na akatazama vizuri. Arareba neza. Alafu Musa aliposhuka. Musa manutse. Aliachapa.
arongera bisusanya alafu akawaita watumishi wa Mungu hamagara bakozi b'Imana akamwambia Mungu anasema tujenge hivi aravuga Imana nashaka kutwubaka gutya aonge uweza kukata mustari huko ama huko nagushobora kwishushanyiriza gutya cyangwa gutya aweza kukata huko ama huko nagwa kwibakira gutya cyangwa gutya tuvola architecture il faut que faut pas que tu OK par fantaisie dis bon si je trouve que c'est pas faut que je fasse comme ça eh iyo ufite plan y'ikintu giye kubaka ntagushobora kwizanira ubwenge bwa uvuge ngo nge ndumva hano nabyishushanya gutya non non c'est Moïse je dis Moïse toi tu peux te faire comme tu veux je dis washobora kubikora ugushaka ariko Mose ntagushobora le plan du tabernacle kuko Mose yarafite isuso imana yamweretse il ne faisait que reproduire tel que we yakoraga nk'ibyo imana yamweretse vous comprenez murabyumva. Alors il appelle les hommes de Dieu. Hamagara bakozi b'Imana. En qui Dieu avait mis l'esprit. Imana yashize umwuka wayo muri bo. Hein? Et il a dit voilà. Arababwira ngo dore. Ce que Dieu m'a montré. Ibyo Imana yanyeretse. On doit reproduire fidèlement. Dukwiye kubyubaka neza. Voilà. Voilà l'adverbe que Dieu avait utilisé. Imana mwumva ijambo yakoresheje. Il a dit fidèlement. Vous devez reproduire ça fidèlement. Toi Moïse, tu dois reproduire fidèlement. Toi Moïse, tu dois reproduire fidèlement ce que je te montre. Tu n'as pas inventé. Quant aux mesures, les mesures doivent être exactes. Et voilà, ils ont reproduit le tabernacle dans le désert. Ils l'avaient vu. Et voilà, Dieu dit, toi tu es le tabernacle de Dieu. Toi tu es la maison de Dieu. Toi tu es la construction de Dieu. L'original est au ciel. Alors tu dois travailler avec l'esprit. Pour que ça soit fidèlement tel que ta destinée terrestre doit être exactement comme ton destin au ciel. Les gens, des milliers de gens meurent sans avoir été tel que Dieu l'avait souhaité. Parce qu'ils viennent dans ce monde et ils reçoivent les instructions du monde. Comment ils vont gérer leur vie. Ils vivent selon une certaine sagesse du monde. Et ils croient que c'est ça la vie. Mais ce n'est pas ça. Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous devons le connaître et y travailler toute notre vie. Acclamons le Seigneur. Si tu veux vivre selon le monde, tu vas périr éternellement. Mais si tu veux vivre selon le plan de Dieu, le modèle parfait, le modèle parfait au ciel, alors tu vas finir dans le véritable tabernacle au ciel. Qui a compris là? Voilà, donc nous avons travaillé beaucoup sur la destinée terrestre. Nous avons travaillé durant les 3 jours de jeûne et prière. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre destinée céleste. Il y a une destinée terrestre. Il y a une destinée céleste. Notre destinée est divisée en deux parties. La destinée terrestre. Et la destinée céleste. Beaucoup de gens s'intéressent à la destinée terrestre seulement. Je veux être avoir plus d'argent. Je veux être quelqu'un de respectueux sur la terre. La tête non la queue. Le premier non le dernier. Je veux être ceci. C'est bon. Et ça fait partie des promesses de Dieu pour ta vie terrestre. Mais ce n'est pas que ça. Il y a la destinée céleste. Et c'est ça en fait le but ultime. Et je vais parler de la destinée céleste. On attaque à Niendele.
sura ya mwisho ya Biblia. Tuje gusoma igice cya nyuma cya Bibiliya. Ça veut dire le chapitre 22 de l'Apocalypse. Nuko vuga bice 22 by'igitabo cy'ibyashuwe Yohana. Nous allons lire 5 versets seulement, mais toi à la maison ou ailleurs où tu veux, tu vas lire tout le chapitre. Tuje gusoma 50 gusa ariko nugera mu rugo cyangwa handu hose uri usoma igice cyose. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye ibibabi byacyo byari byo gukiza amahanga nta muvumo uzabaho ukundi ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo kandi imbata zayo zizayikurira zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo nta joro rizabaho ukundi kandi ntibazagomba kumurikirwa n'itabaza cyangwa kuvirwa n'izuba kuko umwami Imana izabavira kandi bazahora ku ngoma iteka ryose arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri kandi umwami Imana itegeka inyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba kandi dore ndaza vuba hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo amen amen amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Au milieu de la place de la ville, ah, il y a une ville au ciel. Et sur les deux bords du fleuve, il y a un fleuve au ciel. Il y avait un arbre de vie, il y a un arbre de vie au ciel. Pas celui qui était sur la terre dans le jardin, on ne sait plus où il est parti. Produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, moi, François et toi. Oh, nous le servirons et nous verrons sa face. Extraordinaire. Moi, François et toi. Et son nom sera sur nos fronts. Moi, François et toi. Et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aussi. Et nous, moi, François et toi, nous régnerons au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à François et aux autres serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et parce que moi, je les garde. Et que toi, tu les gardes. Nous sommes heureux. Alléluia. 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 Amen. Amen. Sasa haya ni maneno ya Mungu. Leo naona magambo ya Imana. Mbinguni kuna mji. Mwizuru harumuji. Kuna mji mtakatifu. Harumuji wera. Mungu anaikaa ndani ya mji huo. Imani tuye muri uwo mji. Kuna mti wa uzima. Hari igiti cy'ubugingo. Unajua katika bustani ya Eden. Murabizi mu bustani bwa Eden. Palikuwa mti wa uzima. Hari harimo igiti cy'ubugingo. Na mti huo ulipotea. Icyo giti cyabuzire. Ndio maana mwanadamu anakufa leo. Ndio mavu mwana w'umuntu asikia apfa. Lakini hapa Biblia inasema. Ariko hano Biblia ivuga ngo. Mungu amehamisha mti huo mbinguni. Icyo giti cy'ubugingo Imana yakimuriye mu ijuru. O ciel y a l'arbre de vie. Mu ijuru hari igiti cy'ubugingo. O ciel il y a une cité. Nizuru hari umuji. Oh hallelujah. Hallelujah. Que fait l'arbre de vie? Est-ce igiti cy'ubugingo n'iki? C'est pour que les gens qui sont là. No kugira ngo abantu bariyo. Vive éternellement. Bara vite ka ryose. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit. Bibiri ravuga ngo. Il n'y a pas d'anathème de malédiction là. Ngo nta muvumo bayo. Il y a un fleuve de vie. Hari uruzi rw'ubugingo. Qui coule dans la cité. Ubu cha muri uwo muji. Ah, il y a des arbres de part
et d'autres de part en part qui portent des fruits. Nous mangerons les fruits très succulents qui donnent la vie, la vie en abondance. Reka mbabwire gato kugira ngo mwumve ari igihe abantu bibaza ngo ni ibintu by'inzozi ko ari byo muri Amazoni niba ndibaze Amazoni Amerika ye yepfo muri Amazoni bari abaturage ba Amazoni kubera imyaka ibihumbi n'ibihumbi bibera muri Amazoni n'abazungu batarajya hariya ngo babagire genocide hanyuma bafata ibihugu byabo hariho Imana yabahaye ubwenge bwo kumenya ibiti buri giti nibikigize imbaraga zacyo bariya ari hariya bafite amatribu menshi ari witwa le kayapo n'abandi bagize ubwenge bwo kumenya iki giti hari giti bagufata akababi gato bakakaguha gato cyane wamara kugahekenya isi y'umuke gafunguka ugatangira kubona ibi biri igivuga utabona agat akababi mbarizo urabyumva wowe do you understand une petite partie d'une feuille de l'un de ces arbres de l'Amazonie agate gato yakakababi kimwe muri cyo biti byo muri Amazonie vous savez dans le monde il y a deux grandes forêts mrabizi mwisi hari amashamba abiri manini la forêt amazonienne hari ishamba ryo muri Amazone et la forêt du Congo ici ni shamba ryo muri Congo hano ce sont les deux poumons d'oxygène pour les hommes nibyo bihaha by'umwuka duhumeka ce sont ces forêts là qui nous protègent des maladies nukuvuga ngo nibyo biturinda indwara parce que elles aspirent kuko bikurura les gaz à effet de serre imyuka mibi carbone za carbone myuka y'amamodoka yacu tout ça nige twayura et ces arbres piquent le gaz bikurura ayo magaze et travaillent par la photosynthèse bigaspiche muri photosynthèse et produit l'oxygène que tu bikaduhumuka mwiza duhumeka et si ces forêts venaient de disparaître rero ayo mashamba aramutse akuweho la vie s'arrête ubuzima burahagarara deux grandes forêts amashamba abiri Congo muri Congo forêt amazonienne. Non, mais Amazon. Alors, ces habitants de l'Amazon, d'Amazon, à cause des milliers d'années, pour, en vivant dans ces forêts-là, Dieu leur a donné la connaissance des plantes. Ils se soignent par les plantes. Ils connaissent chaque plante. Et les vertus que là. Une petite feuille de cet arbre-là. Tu marches. Directement. Les substances sont aspirées par ton estomac. Les cellules aspirent ça. Et après, ça remonte dans le cortex ici au cerveau. Et puis le monde spirituel s'ouvre. Tu vois les démons, tu vois les anges, tu vois. Ça c'est sur terre. Pourquoi tu dis que Apocalypse 22, tu ne comprends pas? Qu'il n'y aurait pas de feuilles là? Dont qui servent à la guérison des nations. Et c'est parce que parce que je veux que tu sois le premier à bénéficier de ce que je dis. Une seconde. Yaduhaye urugero rw'ishyamba ryo muri Amazone aho hari igiti cy'umwihariko aho abaturage b'iryo shyamba bashobora kurya utubabi tw'ibyo biti isi y'umwuka ikabafungukira bakabona abadayimoni bakabona abamarayika bakareba mu isi y'umwuka rero aravuze ngo kubera iki bitugora cyane kwizera ko
mu byashuwe Yohana 22 hari igiti gifite amababi ashobora gukiza amahanga nkuko twabisomye. Alléluia. Alléluia. Alors écoutez-moi bien. Rero munyumve neza. Je vous donne l'exemple de ces Amazoniens. Ndikubaha urugero rwa baturage bo muri Amazone. Pour que vous compreniez ce qui se passe au ciel. Kugira ngo mwumve biba mwizuru. S'il y a certains types de plantes. Niba hari ibimera bimwe. Dont les feuilles Dieu les a dotées d'une puissance extraordinaire. Amababi yabo Imana ikaba yarabihaye ubushobozi budasanzwe. Mais à combien plus forte raison les véritables choses au ciel. Ese koko mwizuru ibyukuri. Dieu dit. Il y a un arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Vous comprenez? Donc maintenant vous pouvez croire. N'est-ce pas? Parce que vous avez ici quelque chose qui vous aide. Parce que dans la forêt amazonienne, il y a ce type d'arbre. Où tu manges la feuille et le monde spirituel s'ouvre. Tu entres dans une autre dimension. Laissez-moi vous dire, beaucoup d'hommes de chercheurs européens, ils vont là-bas pour passer des jours afin d'être initiés à ce rituel amazonien. Des chercheurs. Et après, ils écrivent des livres. Maintenant, ils écrivent des livres scientifiques. Par exemple, ils écrivent sur le sujet qui dit qu'il y a un monde multivers. Un monde avec plusieurs dimensions. Ça veut dire dans la création il y a plusieurs dimensions. Nous on nous a dit qu'il y a univers. Mais quand ils mâchent ces plantes là, ils entrent dans d'autres univers. Et il dit qu'il y a d'autres univers. On les appelle des univers parallèles. Donc la Bible est la vérité. Hallelujah. Hallelujah. Qui a compris là? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alors, il y a une cité au ciel. Avec tout ce que Dieu a au ciel. Et la Bible dit, ses serviteurs, abayikorera, ça veut dire tous ceux qui sont sauvés, ngo abakijijwe bose, ils seront là, tuzabayo. Nous le servirons même au ciel. Nous verrons ces choses que l'homme n'a jamais vues, qui dépassent notre entendement. Nous le verrons. Nous y serons. Nous les palperons. Nous allons goûter. Nous allons toucher. Nous serons là. Nous verrons la face du Dieu créateur. Nous verrons la face du Dieu qui nous a créés. Nous serons là éternellement dans une autre dimension. Vous savez, nous avons des problèmes parce que nous sommes limités par notre caboche là, nos cellules, les neurones là et les cellules liales qui sont dans la tête qui nous limitent. Parce que notre cerveau est trop petit. Le cerveau d'un adulte, je vous avais dit que c'est 1,4 kg. Le cerveau d'un adulte. C'est pas lourd ça. Et si tu veux savoir toi ton cerveau combien il pèse, tu prends ta masse. Ta masse, n'est-ce pas? 2% de ta masse corporelle, c'est le poids de ton cerveau. Qui a compris? 2% de ta masse corporelle, c'est le poids de ton cerveau. Et si tu fais le calcul, ça tourne autour de 1,4 kg. Est-ce que vous avez compris? 2% de ta masse corporelle, c'est le poids de ton cerveau. Et combien pèse le cerveau de Dieu? Quelle est la masse corporelle de Dieu?
C'est un point 4. Vous comprenez? L'enfant quand il naît, il a 400 grammes de cerveau. Quand il est encore en croissance, 400 grammes. Et le cerveau va se développer. Comprenez? Donc il commence là comme ça. L'enfant. Je ne dis pas quand il naît, mais l'enfant, quand il grandit. Hein? Et quand on est adulte alors, on a 1.4. En moyenne. Voilà, écoutez-moi. Au ciel, où Dieu demeure, il y a une cité. La Jérusalem céleste. Et il y a ces choses. Mais qui iront là-bas? Ce sont ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Ça veut dire notre vie terrestre. Nous avons une destinée à poursuivre. Hein? Mais ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est la destinée céleste. Nous sommes créés pour vivre au ciel. Ça, ici, c'est une transition. Nous serons au ciel avec Dieu. Nous verrons le Dieu qui nous a créés. Nous verrons Jésus qui nous a rachetés. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous l'adorons par la foi. Mais ce jour-là, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, nous le connaissons partiellement. Mais ce jour-là, nous le connaîtrons parfaitement. C'est ça la promesse de notre destinée finale. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer en vous disant, je comprends pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il avait envoyé 70 disciples pour aller prêcher l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, d'accomplir des miracles, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, ils étaient dans la joie. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient étonnés, tant dans la joie. Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ils ont vite, pour terminer. Dans Luc 10. Vite. Seigneur, nous allons découvrir ce qui devrait être le sujet de notre joie. Luc 10:17-24. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpio n'imbaraga z'umwanzi zose. Kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. La verset 20 on s'arrête. Murongo wa 20 dusorezaho. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira. Ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amen. Pourquoi est-ce que c'est ça qui devrait nous réjouir? Ese nuko ari kibyo byo bikwiye kutunezeza?
Pourquoi? Vous voyez? Réussir notre destinée terrestre. Réussir notre destinée terrestre. C'est ce que Dieu souhaite, c'est vrai. Mais Dieu souhaite plus que ça. Être dans la bénédiction d'Abraham. Être la tête et non la queue. Être le premier et non le dernier. Être béni spirituellement, matériellement. Avoir une famille qui est aisée dans tout le sens du terme. Ça veut dire spirituellement qui adore le Dieu vivant. Et dans les choses terrestres, ils ne sont pas derrière les autres. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. Mais il souhaite plus que ça. Jésus avait souhaité qu'il fasse ce qu'il faisait. Chasser les démons. Guérir les malades. Purifier les lépreux. Ressusciter les morts. Donner la joie là où il y a la peine. Donner à manger aux affamés. Ils l'ont fait. Et c'est ce que Jésus souhaitait. Et voilà qu'ils reviennent. Et ils sont dans la joie. Qu'est-ce qui faisait leur joie? Ils étaient dans la joie de ce pouvoir que Jésus les a donné. Le pouvoir d'accomplir des miracles. D'avoir autorité sur Satan. Sur la maladie, la mort, etc. Ils étaient contents du pouvoir. Comme toi, tu es content de ton job. Ils étaient contents du pouvoir. Comme tu es content de voir que tu as construit la maison de ton rêve. Mais plusieurs meurent sans l'accomplissement des rêves. Alors tu as rêvé de telle maison. Et maintenant tu l'as. Tu as rêvé de faire de telles études. Et tu les as faites. Tu as rêvé d'avoir des enfants. Et tu as les enfants. Tu as rêvé de ceci. Et aujourd'hui tu l'as. C'est ça qui fait ta joie aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas contre. Mais Dieu te dit, lève tes yeux. J'ai plus que ça. Ça c'est la destinée terrestre. C'est la moitié de mon plan pour toi. Mais mon plan continue. Ça continue au-delà. Ici sont des choses que tu vas laisser un jour. Mais j'ai pour toi des choses que tu ne perdras jamais. La maison tu la laisseras. Le véhicule tu le laisseras. La femme tu la laisseras. Et l'autre va l'épouser. C'est terrible. Heureusement que au ciel, tu ne verras pas ce qui se passe. Tu seras en train de te réjouir de la cité de Dieu. Et si du ciel, tu regardais aussi chez toi à la maison, tu diras au Seigneur, Seigneur, donne-moi une semaine de congé. Heureusement au ciel, on n'a plus à faire aux choses qu'on a laissées. Vous savez, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu vas les laisser un jour. Ton job, akazikawe, que tu aimes beaucoup, chane, et qui fait ta fierté, wirata, sinon ton orgueil, wibona, ton argent, amafranga yawe, tes ceci, cela. Oui. Hein? Tes blagues. Et...
urwenya rwawe ibyo byose tu vas les laisser uzabisiga. Les belles choses que Dieu a pour toi, pour cette vie, ça fait partie de ta destinée terrestre. Hein? Mais, Ariko, ce n'est pas la finalité. Dieu a une seconde partie de ta destinée. C'est là dans l'Apocalypse 22. Voilà pourquoi il a dit. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Hein, vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça veut dire vous avez une maison au ciel. Vous avez un demeure au ciel. Vous allez habiter dans le véritable tabernacle. Vous m'avez servi sur la terre. Vous me servirez dans la plénitude au ciel. J'inscrirai mon nom sur vos fronts. J'essuierai toutes larmes de vos yeux. Vous allez me voir tel que je suis. La mort n'aura plus de place. Vous n'aurez plus de crainte de perdre vos acquis au ciel. Au ciel. Aujourd'hui c'est temporaire. Mais au ciel c'est la plénitude. C'est là où nous allons vivre. Avec un grand V. Alors je vais te demander. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux bénir Dieu? Bénir Dieu pour ce que tu as. Mais surtout, travailler pour ta destinée céleste. Travaille pour ta destinée céleste. Ugakora kucyuzaba cyo mwijuru. Travaille pour ta destinée céleste. Ukita kucyuzaba cyo mwijuru. Parce qu'après cette vie, kuko nyuma y'ubu buzima, nous allons hériter tuzaragwa la véritable vie. Ubuzima nyabwo. Après cette vie, nyuma y'ubu buzima, nous allons vivre tuzabaho notre véritable vie. Ubuzima nyabwo. C'est là où tu vas bénir Dieu. Niho uzaha Imana umugisha. De ce que tu vis. Kibyo. De ce que tu es. Kicyuricyo. De ce que tu es né. Parce que si tu ne serais pas né, tu ne verrais pas ces choses. Voir Dieu face à face. Le Dieu dont le nom, le fait de le prononcer ici, les démons tremblent. C'est son nom. Et celui qui porte son nom. Il ressemble à qui? Quelle est sa personne? Ça veut dire que le fait de prononcer son nom, les démons tremblent. Alors, comment ressemble le propriétaire de son nom? Et c'est à Satan. Son nom fait trembler les démons. Et quand on verra la personne, son nom fait trembler les démons. Et lui en personne, il est comment? Son nom fait trembler les démons. Et lui en personne. Là, nous ne serons pas là pour adorer son nom. Nous allons l'adorer en personne. Nous allons le voir face à face. C'est ça l'espérance des chrétiens. C'est ça notre destinée finale. Je vais terminer en vous disant tout ce que tu peux posséder, si ça ne vient pas des moyens malhonnêtes et que ça vient de la bénédiction de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a réservé pour toi. Et si tu t'arrêtes seulement à ces choses, si tu t'arrêtes à ces choses-là, hein, ça veut dire
Si à la fin de ta vie tu n'as que posséder ce que tu vois, nurangiza ubuzima waratunze gusa ibyo urebesha amaso, et que tu rates, niwinjire, tu rates la cité céleste, niwinjire mu murwa wo mwijuru, tu rates ce que Dieu a là-bas, ugatakaza ibyo Imana igufitiye hariya, ce qui aurait été mieux pour toi, ibyari kuba byiza kuri wowe, c'est de ne pas être né, nuko ari kuba utaravutse. Parce que tu es né pour hériter ces choses. Kuko wavukiye kugira ngo uragwe ibyo bintu. Hallelujah. Hallelujah. Tu es né pour hériter ces choses. Wavukiye kuragwe ibyo bintu. Tu es né pour que tu vives avec Dieu dans son tabernacle. Wavukiye kugira ngo ubane n'Imana mu buturo bwayo. Tu es né pour que tu contemples sa face. Wavukiye kugira ngo urebane nayo mu maso ku maso. Tu es né pour que tu l'adores. Wavukiye kugira ngo uyiramye. En le regardant en face. Uyireba maso ku maso. Tu es né pour que tu vives cette dimension que aucun mot, aucun vocabulaire ne peut expliquer. Wavukiye kugira ngo ube muri iyo si tutabona amagambo yo kuvuga. Mais je vous dis, ariko ndababwira, Dieu l'a souligné. Imana yabiciyeho umurongo. Ces paroles, aya magambo, ce sont les véritables paroles de Dieu. Ngo ni amagambo y'ukuri y'Imana. Heureux celui qui les reçoit, hahirwa uyakira, et qui les prend kandi akayashyiraho umutima comme vérité nk'ukuri. Alors rero, ne te réjouis plus, ntuzongere kunezezwa, uniquement parce que tu as reçu ceci ou cela sur terre, kubera ko gusa wahawe ibi n'ibi hano ku isi. Tu te réjouis, c'est vrai, unezerwe nibyo, mais va au-delà, ariko renzaho. Tu dis, Seigneur, uvuge ngo mwami, avec cette maison, n'iyi nzu, avec cette femme, cet homme, n'uyu mugore n'uyu mugabo, avec ces champs, n'iriya mirima, avec ces chèvres, na ziriya hene, je te bénis, ndaguha umugisha. Mais Seigneur, ariko mwami, I want more, ndashaka ibirenze, pas de ce monde, bitari by'isi, mais au ciel, byo mu ijuru, ce que tu me réserves, ibyo wambikiye, ce que tu me réserves, ibyo wambikiye, ce que tu me réserves, ibyo wambikiye, ce que tu me réserves, ibyo wambikiye. Oh, en anglais on dit, mu cyongereza baravuga ngo from good to great, ngo kuva mu byiza ujya mu karusho. God wants good for you. Imana irashaka ibyiza mu buzima bwawe, but ariko he has igufitiye nanone greater things, akarusho karuta bya bindi byiza in heaven, mwijuru. C'est ça qui fait notre joie. Ibyo nibyo bitunezeza. Usitoshe ke tuna haya ya dunia, ntuhazwe gusa n'ibi by'isi. Kuna mambo ya hajabu, hari ibindi birenze. Mungu amekwekeye, Imana yakubikiye. Na ukijua hayo, ibyo rero nubimenya, hautaogopa tena kifo, ntuzongera gutinya urupfu. Kwa sababu kifo, kuko urupfu itakuwa ruzaba kuingia, kwinjira katika mambo yale mu by'Imana yakuremeye. Unaweza kubariki Bwana? Ese ushobora guha umugisha Imana? Unayamini kama mambo hayo yapo? Urabyizera ibyo ngivyo? Unayamini kama mambo hayo yapo? Mwizera ko ibyo bintu biriho koko? Uyamini usipoamini? Wabyizera utabyizera? Hauyabadilishi. Ntabwo wabihindura. Yapo. Biriho. Heri. Hahirwa. Anayamini. Ubyizera. Na tarisi hayo. Iva eritesa. Azabiragwa. Heri anayamini. Hahirwa ubyizera. Malaika Gabriel alimwambia Mariam. Malaika yabibwiye Maria. Gabriel yabibwiye Maria. Heri anayamini. Ngo hahirwa uwizera. Maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana. Kwa sababu. Kuko. Atarisi hayo. Azayaragwa. Atayaona. Azayabona. Yatakamilishwa. Azasohora. Atayashika. Azayafata. Heri anayamini. Hahirwa uwizera. Kwa sababu mambo hayo ni ya kweli. Kuko ayo magambo ni ukuri. Vita yetu sasa. Intambara yacu rero. Si ya mambo haya dunia. Ntabwo ari yahangaha gusa. Ingawa haya tutayapata, nubwo nibi tuzabihabwa. Kwa sababu Mungu anasema, kuko Imana iravuga haya yote ni yangu, ibi byose ni ibyanjye, ulimwengu na yote yayomo ni mali yangu, isi n'ibirimo byose ni ibyanjye. Lakini sisi, ariko twebwe, lengo letu, icyo tumbiye, vita vetu, intambara yesu, ni yale ya mbinguni, ni iyo kujya mu ijuru, kuyarisi yale ya mbinguni, kuragwa ibiri mu ijuru. Hayo ndiyo tunataka, ibyo nibyo twifuza, mbinguni mu ijuru ndiyo mwisho wangu, niho nzasoreza. Amen. Amen. Alors, les efforts que tu déploies.
rero imbara gushyiramo pour avoir ces choses terrestres kugira ngo ubone ibyisi alors tu dois doubler ukwiye kuzikuba même tripler ukazi kubishore eshatu ndetse pour gagner kugira ngo uhabwe la deuxième partie de ta destinée ukindi gice cy'umurage wawe la destinée céleste umurage wo mwijuru. Je vais demander celui qui n'a jamais même commencé à croire. Il est là dans les églises. Il n'a jamais pris la décision de dire Seigneur Jésus, moi aussi je vais faire partie de ton peuple. Je vais être ton serviteur. Après avoir été ton enfant, je vais te servir moi aussi. Oh, j'ai entendu des choses agréables. Que tes serviteurs verront ta face. Ils te verront ta face. Et ils te serviront. Et à la fin, ils régneront des siècles avec toi. Je vais moi aussi commencer aujourd'hui. Fermons nos yeux. Baissons nos têtes. Si baissons nos têtes. Fermons nos yeux. Si tu veux faire ce pas aujourd'hui. Lève ta main là où tu es. Merci, nous allons prier pour toi. Lève ta main, n'aie pas peur. Si tu veux faire ce pas aujourd'hui. Oh, alors, lève-toi maintenant. Viens ici devant. Nous allons prier pour toi. Tu vas commencer cette aventure avec Dieu. Viens. Qui avait levé les mains, venez. N'aie pas honte. Jésus te voit. Jésus te voit. Et Jésus te respecte. Viens. Tu veux faire ce pas aujourd'hui. Tu as compris les mystères du royaume de Dieu. Viens, mon frère. Viens, ma soeur. C'est le jour extraordinaire. C'est le jour du salut. Le ciel se réjouit. Le ciel se réjouit pour toi. Viens. Toi qui veux aujourd'hui faire partie de son peuple. Viens ici. C'est le jour agréable. C'est le jour d'être accepté par Dieu. Je veux que l'assemblée entière acclame le Seigneur pour nos bien-aimés qui échappent à l'épée de Satan. Ils échappent à l'épée de Satan parce que ce sont ces personnes dont la Bible parle que Jésus a tant aimé et qu'il a donné sa vie pour leur salut. Le ciel se réjouit. Nous aussi nous réjouissons avec le ciel. Alléluia. May we meet together in heaven. May I see you and may you see me. Uzamboneyo nanye nzakuboneye. May you see me and may I see you. Amen. Amen. Kubwibyo tukwiye gufatanya. So we must go together. Tugaterana ingabo mu bitugu. Walk together. Yaho guca ninde gabe. Let's walk together. Satani tumwimicyo. Let's disarm. Pray for me, I will pray for you. Nubona na dendebukiwe umbwire uti courage. If I am weak, encourage me. Umenye ko umbwire uti Yesu ari ku ngoma. And say God is on the throne. Amen. Amen. Uko bibiliya vuga? Because the Bible says ngo dukomeze amavi aregare. Let's strengthen knees that are weak. Namaboko tendebuki. Imana iri ku ngoma. Do not be afraid, God is on the throne. Ero nuza chinege mugenzi wawe. So encourage your brother. Nuza muchinega gumukomeze. Encourage them. Nuza mubwira amagambo negative. Don't tell them negative words. Urimi rwawe ruzabe urukomeza. Let your tongue be a positive one. Nuzaje utwara amagambo y'ibintu bibi. Don't bring evil words. Urabizi kanaka yaguye. Wewe uzajitwara amagambo yo gukomeza bene data. Bring good news.
nzavuga ati urazi kanaka buriya ari yuzurisha umwuka ntawe agira Just bring good news to your brothers. And bring good news. Yes, God will bless you for that. Let's raise up our hands. Amen. We thank you so much and we love you. Amen. Amen. C'est un grand plaisir de vous servir. Yes. Parce que c'est vous qui êtes notre couronne. Ce jour-là. May the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship with the Holy Spirit be with us all. Amen. Amen. Bless each other. Thank you.